Diane m'a regardé si nous avons une petite chance pour capable placer mon pau. Si une émission dans le pays a qui insisté et qu'a regardé qu'a ouvert j'ai pau qu'a toujours cherché faut comprendre ça réel police là hier et me relé matin débat. Je crois que je dis à pas personne moun qui pas reconnaître ça, pas personne moun qui pas capable bailler crédit à l'émission matin débat. Hier soir en fait, j'écoutais mon ami frère docteur Harrison Ernest. Il nous a laissé donc pour la ligne dans radio modèle avec justement tribunal là, tribunal du soir que me tendait chaque soir. Et puis me tendait Harrison Ernest qui a dit je dis à grand-père l'émission. Parce que c'est lui-même qui vient avec l'émission qui compte fête de soi. Parce que l'été qu'on fête sous signal, effectivement, ça a réussi à nous détendre, mais pas oublier Harrison. Seulement, hier, sans pas de cabre, le Mendoza, il y a un Beaulieu. Au sens, j'ai Beaulieu. Beaulieu, oui, c'est Serge Beaulieu. Serge Beaulieu. Dans Radio Liberté. Oui, dans Radio Liberté. Alors, c'est pas retirer, retirer crédit à Paul Ado et donc là. Donc, pas maintenant. M'a retiré crédit pour là. Ok, mais nous sommes en fait un rappel que dégain Serge Beaulieu. Et puis, nous avons parlé de l'importance de l'émission aujourd'hui. Là. Et de fait, je dis, madame, monsieur, au niveau de la presse, c'est à l'occasion, je dis, là, pour nous t'acheter ensemble vraiment, pour nous être capable de discuter, gêner, ok, sous avenir presse là, également sous sa presse là, je dis, là. Parce que nous ne pouvons pas imaginer qui impact que presse a fait, je dis, là, sous la société, ça. Parce que, c'est Jean-Pierre qui a transformé, oui, parce que le bon pays, puis il faut que les gens travaillent, pour me dire parce que tout le monde travaille, 90% pour ne pas travailler. Pour ne pas être en chômage. Le bon pays, sur le plan politique, qui n'est pas stable. Le bon pays, madame, monsieur, sur le plan socio-économique, qui n'est pas état dégradant. Je ne vais pas mentir, qui s'est arrêté. La technologie. Donc, elle dit que la technologie, c'est lui qui a accès donc, à l'information. Tout le monde dans le pays, dans la section communale, après tout le monde a un petit téléphone dans la et longtemps c'était des radio à pilio, et de côté c'est toujours des radio à pilio, oui. Mais puis il faut côté dans le pays, après tout le monde a un petit téléphone. Et c'est sous petit téléphone ça, il fait nouvelle. Tout le monde tend des nouvelles. Vous pouvez imaginer aujourd'hui qui j'ai un haïtien intéressé qu'on est. Ça qui a passé dans le pays. Mais raison qui fait que je dis, émission d'analyse politique, émission qui permet que mon émission de libre tribunaux, mais raison qui fait que je dis, c'est important. Et je dis, je pense que au monde qui se chef, qui sont autorité, il y a un allié côté de gagner. C'est le peuple haïtien à travers ces émissions d'analyse politique, madame, monsieur. Eh bien, mais raison qui fait que je dis, à matin débat, il y a une émission phare pour payer et que payer qu'on est dans le moment. Hier soir, monsieur, m'a regardé sur les réseaux sociaux. M'a regardé quantité de vues matin de baffin. Accompagné, m'a regardé l'autre émission qui derrière. M'a regardé toute émission qui derrière, honnête. Ni ça fait dans le matin, bon, ni ça fait dans le mi-temps journée. Ni ça fait à soir. M'a regardé qui quantité de vues que matin de baguin. Nous quittons des nets. Vous avez dit que le peuple haïtien a fait son choix. La diaspora haïtienne a fait son choix, le choix d'écouter Matin Débat. Mais écoutez, madame, monsieur, donc choisir d'écouter Matin Débat. C'est pas pour belle figure, ça, c'est ça. Non. C'est pas pour belle figure, José Lexidor. C'est pas pour belle gagne, belle vocale, Louko Désir. C'est pas pour belle figure, Matin Débat. C'est parce que justement, le contenu de cette émission, je dis, lui permet, lui arriver sous tout le monde, lui permet que le monde, capteur de Matin Débat, réfléchisse sur le pays. Parce que, madame, monsieur, on n'a plus de goût à la vous connaissez, c'est que. Je dis, l'on parle dans la radio, faut tout soit dit, un, il y a une vérité là-dedans, deux, faut qu'il y ait une suite logique, faut qu'on logique là-dedans. Ah ben, c'est ça qui est pratiquement dans le débat. Ok. Ouais, ouais, que depuis le bienvenu, nous parlons de phase, pour mission, on lui change de mission humanitaire à mission politique. Madame, monsieur, nous avons 3 ans, le 4 septembre prochain, nous avons 3 ans. Faut que nous t'étions
toujours à suivre information ça, à suivre actualité. Il y a des dossiers qui sont à battre les bas, nous dit que ouais dossier ça yo, il aurait été ouvert. Et nous t'ai fait débat, nous t'ai fait discussion. Nous t'avons essayé de garder sa commission humanitaire, nous venons garder sa commission politique. Et puis nous t'ai fait population comprendre que en mission politique, les vle dit ça vle dire. Donc BINU en fait, Nations Unies, tes commissions humanitaires dans le pays, les convertit en mission politique. Et la mission politique, c'est son gouvernement quand dans le gouvernement, son pays quand dans le pays. Et nous t'ai clair, nous t'ai dit que je dis à le pays, les gars, trois gros chefs là-dedans. D'abord le président de la République, son excellence monsieur Jovenel Moïse. Deuxième chef là, c'est madame Simpson. L'ambassadrice américaine en Haïti. Et troisième chef là, c'est madame Lalim, Hélène Lalim. Coordonnatrice du bureau intégré des Nations Unies en Haïti. Nous toujours connaissons que nous toujours dit que politique pas rien fait cadeau. OK? Donc support ça à Nations Unies à bail gouvernement Moïse et Jovenel Moïse, c'est parce que tes quoi action t'es posé. Nous sommes en janvier 2019. Un vote Nations Unies hein, contre le gouvernement donc Venezuela en faveur des Américains. Mais faut me dire que c'est sur demande en fait de l'État haïtien parce que pas d'apprendre écrit comme ça. De regarder agenda BINU que nous mettons sous ta bande de bas José Tidor. Chaque fois nous quelque chose pour nous faire. Nous mettons matin de bas conclusion nous c'est que et puis matin t'as tout toujours dit BINU pas arrivé accompli mission que le dégagnant selon agenda passer sous côté regardez quelques bon, d'abord gagner épauler conseiller et épauler le gouvernement haïtien dans ses efforts pour renforcer la stabilité politique et la bonne gouvernance, dans le pays. Échec. La garder pour eux et bien ça gagner sur la bonne gouvernance dans le pays. Et puis n'a pas rappelé tout. Les résolutions, il y a deux pays qui t'ont exprimé réserve. C'était la Chine et la République dominicaine qui t'ont jugé que le moment n'est pas opportun, pays n'a pas de nécessité la présence de BINU. Alors, pays n'a pas de nécessité de présence. Donc, ils ont émis réserve. Mais, outre que épauler l'exécutif, l'enquête pour bien la stabilité et la bonne gouvernance, nouvelle mission a été gagnée tout pour le travail. Pour le travail. Ensemble avec autorité yo, pour permettre que pays et poursuivre travail de mise en œuvre pour capable gagner élection dans le pays.
élection, réforme constitutionnelle. Réforme constitutionnelle. Mais est-ce que la capable arriver, je dis à. Bon, de saluer, il y a fait échec dans l'autre. Ok, maintenant, la question. Sous base ça, sous base constat ça, nous sommes en août 2020. Le 16 octobre 2020, le mandat du BINU devait être en fait renouvelé, madame, monsieur. Est-ce que sous base constat ça que nous faisons là, mandat BINU est capable de renouveler? Oui, il a renouvelé. Qui Jean? Parce que ce gouvernement l'a pas accompagné, c'est pas le pays. Si... Ah, c'est le gouvernement? Oui, c'est le gouvernement. Mm-hmm. C'est le gouvernement qui vient accompagner. C'est bien. C'est que depuis premier numéro 1, mm-hmm. payant, mm-hmm. trouvé, Bini font bon travail. Mm-hmm. Pour lui-même, c'est fini. Mm-hmm. D'ailleurs, c'est président pour et continuer Bini. Ouais, ça me dit nous. C'est bon, ben, quand on va vote, c'est président. C'est bien. C'est bien. Donc, si le président estime que Bini font bon travail pour lui, par exemple, il y a un bon travail. Pour moi-même, d'après moi-même, Bini fait pour lui, mon bail personnel. Ça me dit, c'est dialogue qui te gagne dans la Kainos là. Il est tombé en faveur. Bébé. Ça sont gros. Il est capable de coup d'épaule que Bini bail. Gouvernement. Pouvoir. Donc, après ça, reste bon, je ne connais pas. Reste oui, mais quand même, renouveler un mandat et un contrat, ou du moins, c'est marrant. On peut être d'accord avec cette guerre. C'est sous base de résultats quand même. Sous base de résultats. Mais pas de résultats, c'est pour pays. C'est pour pays. Non, monsieur, nous ne pas faire comme ça. Non, mais. Non, là où tu es politique. Non, mais m'obliger politique. Politique, c'est intérêt. Oh, bon pouvoir. Bon, maintenant, depuis le président Jovenel estime que la relation Bini avec la cordiale, ni à Favel, donc il y a une nouvelle. Il y a une nouvelle, très bien. Ou clair, comment on va le dire? Ok, donc madame, monsieur, nous allons retourner sur ça. Et on va parler sur ça? Oui. Alors, bon, ça m'a dit, la question Bini, hein, quand elle situe là, lui-même, c'est que les situels non question de réforme et professionnalisation de la police nationale et ça a toujours de mise et sous table là et les questions élections mais les acteurs en présence à savoir l'exécutif et le l'opposition ils ont râlé sous code là donc Bini ça s'est échoué par rapport avec Saldé comme mission. Oui, c'est clair. Ça, c'est lui-même que nous avons matin. Hein. Et, alors, c'est ça le constat. Et je ne veux pas. Permettez-moi de tout lui-même comme politique. Ok? Il dit que jusqu'à présent, rapport Bini, son rapport, Jovenel Moïse comme président de la République, est Bini. Clair. Pourquoi qu'on paye là-dedans? Pas un pays. Si le président. Pays pas nommé lui-même. Non, si le président Jovenel Moïse est satisfait. Et vice versa oui. de relations entre eux. Oui. Donc la Bini automatique que le conduit que le conduit. Oui. Alors reconduction et question Bini et les pas seulement Gawa qui sont à Jovenel Moïse. Les pas d'adoué. C'est le gouvernement. Attention, ça ne va pas s'oublier. Bini vini pour supporter, accompagner le gouvernement, les actions du gouvernement. Gouvernement. Maintenant, pourvu que le gouvernement estimer que présence Bini bon pour lui. Mais pour renouveler tout, au niveau des Nations Unies, gagner pays qui va le prononcer. Ah non, c'est pas ça. Ça, c'est notre bagaille. Okay. Ça, c'est notre bagaille. Et nous, nous connaissons que la Chine va le mettre veto. Okay. La Chine. Oui. La Chine et la République Dominicaine a mettre veto. Parce que Eva et Sabine ont venu en Haïti là. Pourquoi une mission en Haïti? La République Dominicaine n'a pas le droit de veto. Ah ok. Oui. La République Dominicaine va y aller. Alors, nous voulons parler de la Chine. Oui. Mais même cas ça, souvent, Esaü, c'est le gouvernement qui doit être satisfait de la présence du Bini. Maintenant, constatons, les Nations Unies ne doivent pas satisfait. Ouais, de performance gouvernement. Ah oui. De performance pour travail, il est de Bini. Non, il n'y a pas satisfait de madame. La République Dominicaine a eu des échecs. Maintenant, si les Nations Unies pas satisfait. Parce que ça opposition à ta doit faire ou bien ça doit faire en tout cas. Bam dit l'autre façon. Si l'aime dit doit faire, il gagne une belle trop force pour ouais, moi. Ouais. Pour moi même avec intelligence, c'est à fond bataille montrer voler rapport tout. Bien. By Nations Unies. Est-ce qu'on le dit? Bien.
contre la présence de Bini. Si Nations Unies pas recevoir aucun rapport, pas recevoir plainte sous présence madame dans exécution travail là. Eh ben. Parce que rappelons bien nous-mêmes nous goumer en pile pour des cap de politiciens haïtiens by importance à Bini et que nous te ouais on pas by ça importance. Est-ce que on pas l'importance en bas Charles sans moun pas connait y a font bataille des cap double diplomatique on travaille intelligence sans nous pas connait. Nous t'a souhaité ça même pas connait. Mais ça vrai bagarre là c'est que nous-mêmes nous t'arrive au moment nous ouais présence Bini trop important et pour nous senti pays te vague sous bagarre là. Pour moi-même jusqu'à présent Louko ou bien pour matin débat ou bien pour nous boy ici hein, nous comprenons que pouvoir ça ou bien gouvernement joue en pile dans présence Bini. Madame monsieur vous suivez l'émission matin débat. Ici dans matin débat nous pas rien que l'autre que analyser. Alors sous intervention bien matin ta tout là. Ça va mener à une réflexion en profondeur, à une analyse en profondeur sur la question du mandat du Bini qui devait être renouvelé ou pas donc en octobre 2020. Même faut-il retourner sur l'analyse de ma tête à tout là. Comme politique, la relation Bini Jovenel Moïse, sans question d'intérêt. Le président Jovenel Moïse, comme président de la République, lui supportait donc Américains face au Venezuela. Et Américains ont très reconnaissant. Dans le moment qu'on est que le président Jovenel Moïse prend deux frappes, il prend une frappe à partir de finale match Brésil. Coupe du monde là. Depuis la salle à la dérapé. Il tombe dans le pays, le pays a fermé. Donc opposition fin pour pouvoir. Madame Monsieur en 2018. Yo bagagerel. Yo pas pouvoir en 2019. Yo bagagerel. Et puis, États-Unis, Nations Unies, dit président Jovenel Moïse, ou red conquer ma cac. Et puis, mandat, mission Nations Unies, il vient transformer la mission humanitaire, vient transformer en mission politique. Pour la première fois. Maintenant, mission, ça arrive une mission politique. Et n'abdou que, madame, monsieur, depuis que c'est mission politique qui gagne des Nations Unies, on côté, son l'autre petit gouvernement qui vient en d'un gouvernement. Son l'autre petit pays qui vient en d'un pays. Mais pas oublier, madame, monsieur, nous avons un contexte politique très particulier en Haïti. Le président Jovenel Moïse ne fait pas l'unanimité à travers le pays. Le président Jovenel Moïse, jusqu'à présent, ses plus grandes préoccupations, lui seulement chita sous question. Ça a commencé dans la question caravane qui s'est passée. La situation se dégrade. La situation socio-économique se dégrade, madame, monsieur. C'est vrai que l'opposition s'est donc affaiblie. Mais madame, monsieur, n'oubliez pas, il y a la présence, ou du moins c'est la prolifération des gangs. Ah oui. Dans le pays. Sous réflexion, maintenant, dans toute la mais analyse là, oui. On a vu l'analyse là. Sous question renouvellement, mandat Bini, pas qu'à pas gagner au choix de coquin qui là, entre eux, le pouvoir, le président Jovenel Moïse et Bini. Je vais vous dire pourquoi. Ou actuellement là, Bini c'est Chatla, Jovenel Moïse c'est Bert. Bâtir de gauche. Youn a veillé l'autre. Parce que pour qui ça? Il est clair que, selon tout ça, nous gagnons là comme constat. Bini échoué, ou d'accord? Claire. Alors là, nous avons une résolution directement. Avec bien. Bini échoué. Jusqu'à un minute, tu as parlé là. Mais pas oublier tout, Bini, toi, madame, monsieur. L'essayon bureau d'une instance internationale qui l'a cap gardé le pays d'Haïti et qui gagne sur le pays d'Haïti. Pendant que j'ai échoué, les deux échecs. Et alors, deux échecs, ils rejoignent. Président Jovenel Moïse, ça c'est échoué. Oui. Trois ans. Oui. Dans l'orbeil seulement. C'est l'orbeil seulement. J'ai l'orbeil seulement pendant trois ans. Jusqu'à présent, vous gagnez là. Oui. Vous gagnez là, en termes de résultats clairs, concrets. Oui. Mis à part au cas de route qui fait de la gredance,
et au carré dans le sud, mais ça va pas être inactif, oui, dans le sens, mais à un certain niveau, et c'est l'échec total. Beaucoup gagné, beaucoup gagné. Ok. Maintenant, pour Binu continuer à exister, et si Binu doit se justifier, si c'est le départ du président Jovenel Moïse pour le capable de justifier le départ de la bouche, comment bien, madame, monsieur? Pour Binu, si Binu doit se justifier, et si c'est à travers le départ du président Jovenel Moïse pour justifier d'être lui, pas oublier qu'on débat là sous 7 février 2021, 7 février 2022, ou d'accord? Et question que vous avez analysé ici dans le débat, est-ce que vous avez combien international derrière? Maintenant, si Binu doit justifier d'être lui, c'est Jovenel Moïse qui doit aller, d'après nous-mêmes. Jovenel Moïse va parler. Parce que Libéral dit, effectivement, le débat à la président, effectivement, il travaille avec le président, mais ça que tu entends, mais ça que tu entends, mais ça va faire, mais ça va faire. De fois qu'il est allé. Avec le président Balmati. Il va dire président Balmati. Et que le président n'a pas la capacité de faire ceci. Le président n'a pas la capacité de faire cela. Donc, faut qu'il aille. Et puis, il va aller. Et puis, qu'on a Binu à toujours ajuster dans le pays. Et puis, Jovenel Moïse parle lui-même. Maintenant, du côté du président Jovenel Moïse, il comprend que ça. C'est pas oublié, madame, monsieur. Et bon, le bail au café encore. Pas oublié, madame, monsieur. Ça au café encore. Ça au café. Dans le cas où, c'est Kotoya, tout était là. Dans le cas où, vous t'avez continué avec le président Jovenel. Vous doit montrer que c'est madame Laline qui fait échec. Qui fait échec. Vous changez personnage. Vous changez personnage. Voilà. Ça, c'est si vous prêtez du côté du président Jovenel. Oui, oui. Comment bien, hein? Pas oublié, madame, monsieur, dans le premier aspect, hein? Si Binu qui est pour justifier cette que c'est Jovenel Moïse qui pour aller, il faut nous songer tout une étape de transition qui est pratiquement sous table à tout. Le salaire vient plus facile pour y rentrer dans la transition. Parce que constat après le fait par Binu que le président Jovenel Moïse, lui a menti, lui n'a pas respecté promesse li envers eux, lui a une capacité politique ou bien pour faire tout ça, il a fait toute promesse, il a fait yo. Et puis, il vient tirer vers ensemble, il dit faut qu'il y aille. Et puis, là, ça, on va entrer dans la transition. Maintenant, l'autre aspect, c'est Jovenel Moïse. Qui c'est Jovenel Moïse qui a fait comme président de la République? Est-ce que le gars dit qu'on y a là, il va en faire bini encore? Est-ce que le gars faut taper maintenant? Non, rêve, il te dit. Bah quoi ça? Quoi, bah quoi? Et non, Bini a toujours plus bon pour lui. Binu a toujours plus bon pour lui. Eh bien. Présence Binu a toujours plus bon pour le président. D'accord. Parce que madame, monsieur, ça qui passe, c'est ce domaine de couloir par la nation, là, ce domaine-là. Nous prenons à la légère, non? Côté que Mike Pompeo recevra Jovenel Moïse comme président de la République, tout campé. Alors, madame, monsieur. Renouvellement mandat Binu, faut garder si papa le conduit au départ du président Jovenel Moïse, 7 février 2021, dépendamment des intérêts. La question c'est de Meglan Louko. Aïe. Vous savez, nous camétez, oui. Vous n'avez pas de pas de la caillou. Mais c'est clair. Et puis après. Et Mike Patrice, je venais, yo croisé dans le couloir. C'est maintenant, yo en République Dominicaine. Ah oui. Ah, mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Ouais. Et yo c'est deux étrangers, deux invités, qui pas profiter de parce que vous avez parlé par en lieu. Josué, s'il vous plaît, Josué. Si y'a l'ambiance, je pas recevoir le conseil. Je n'ai pas même besoin de le conseil. Je n'ai pas même besoin de le conseil. On parle de nos présidents de la République. Mais oui, le président de la République. Monsieur, c'est deux invités. Non. Ah oui. Non, mais écoutez. Si c'est le président de la République, ça je dis à pas caca. Louko, ma belle Souko. Non, écoutez, on comprend ça, je dis. Ni pas caca, nous parlons d'un président de la République. Ok, ben voilà. Le président de la République est plus fragile. C'est ça que fait des gens qui disent que le président de la République, Jovenel Moïse, pas de même campé par la monsieur. Ouais. Là, oui. Attention. Parce que le président de la République là, côté Lila Kaïli n'a pas le national, président Jovenel Gendoua, quand il a parlé avec vous. Déjà, 6 minutes, président de la République. La Kaïli, la Kaïli. Il va possible maintenant. Ah mais 5 minutes, côté monsieur.
même cas d'accord qu'on est président de la, nous parlons de président oui, de la alors même cas d'accord maintenant, que maintenant ça, et, ça dit que côté président et dominicain Kafel au président invité ouais, mais c'est pas grave avec ça non mais c'est pas avec les États-Unis non c'est invité c'est pas invité je parle de président de la République Libéra Kafel parle non ça protocole après monsieur voilà voilà on garde quoi on garde quoi que voilà le président de la République sous berge par la veine ou à venir dans le palais national si sous berge par la veine ou à venir dans le palais national n'a pas un rendez-vous ou vin nan biwom m'a recevoir pour nous parler m'ka d'accord bon que yo pas doit parler camper parler dans couloir mais c'est l'affaire de dire que li pas doit recevoir li pas recevoir c'est deux invités qui croisent qui tout profite dans couloir qui qui tout profite parler parole yo pour pas parler alors gon côté gon se demande de tatif qui te fait lancer une invitation bah non mais attention pas de problème donc voilà ça c'est ou bien côté président la sortie président qu'on est monsieur à tapla si président de la république m'a parlé du président Jovenel qu'on est l'état besoin font 30 minutes par la veille clair et eh bien diplomatie la kaili t'a gagné un chéri ça oui, monsieur là. Nous pas bon d'ailleurs pas pour le faire même dans pays monde oui qui va pour le faire dans pays monde et puis d'ailleurs maintenant oui qui va question pour le faire on pas le faire moi même moi parce que ouais moi je pense que le président de la République a été mal conseillé en ce sens. Ah oui. Il y a okay. Un protocole. Pour rencontrer, écoutez, pour rencontrer le secrétaire d'État américain. Gonjé vous le faites. Ok, gonjé vous le faites. Yeah. Parce qu'il était mal conseillé en ce sens. Parce que écoutez, madame, monsieur, je dis la chose de soi, dis à bon sens. Ah oui. Mais il n'est pas Kembe. Il n'est pas Kakembe. Parce que c'est un président. Mais niveau, ça, il n'est pas Kakembe. Mais écoutez, là, c'est le président. Non, non. Alors, c'est son green mot qui pose problème. Là. Recevoir. Oui, c'est lui poser problème. Non, moi non, ça c'est une capacité. Et c'est recevoir comme si pas de recevoir le parler, mais pas recevoir le parler. Non, 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 couloir. Il pas recevoir parce que pas la caille. Mais pas la caille. Mais la ministre des Affaires étrangères haïtien, tu dois planifier ça. Planifier oui. Je vois le madame monsieur. Il y a un problème pour le col quelque part. Non, Claude Joseph révoqué. Claude Joseph révoqué. Écoutez, c'est clair. Après ça qui passé, soufflette que président de la République prend en République dominicaine, Claude Joseph comme ministre des Affaires étrangères et des cultes, monsieur révoqué dans MG sale pays. Bon, c'est qu'on est jeté. Légèreté au niveau de. Jeté, parce que écoutez, écoutez, madame, monsieur. Écoutez, madame, monsieur. Dominicani Haïti, en temps de vol, combien de temps lié 35 minutes. L'avion. Ok, on met 45 minutes. Yeah. En temps de vol. L'avion. Ok. Bon, même si le secrétaire d'État américain t'a voulu rencontrer le président en République dominicaine, la fonte des marches. Et la fonte des marches diplomatique. Bah, t'es tout clair. Bah, t'es tout clair. C'est marche pour le faire. Oui, c'est marche pour le faire. Parce que c'est pas au bon moment. Le niveau lié, c'est pas au bon moment. L'IPACA, m'te cap de ou. Comme bonjour pour vouloir rencontrer le président. C'est le président de la République. C'est le président de la République. Reste le président de la République. Quel que soit le président de qui paye où il est. Le minimum. Le minimum qu'il a fait. Jovenel Moïse, comme métadonné au-dessus de l'état sous territoire dominicain ou là. Ensemble. Eh bien, il parle l'ambassade d'Haïti. Là, vous voilà là. Ou bien tout. Il y a des gens qui ont fait tout. Il y a des gens qui ont fait tout. Et côté dans le même espace là, oui. Mais mon espace qui réserve le pays d'accueil, là, l'Union dominicaine, réserve un espace côté que le chef d'état haïtien rencontre le ministre de l'État. Donc, voilà. Vous voyez qui prépare. Maintenant. Il est vrai que t'es comme ça qui t'es préparé. Monsieur ça, et que le corona, l'arrivée de salle de selon lui-même pas approprié. Et puis Pompeo. Et puis il dit la prochaine avec là. Donc le président de la République pas doué accepter de là. Ouais. Pompeo rencontre ça. Parce que lui-même, ses amis, il dit. Non, même qu'il y a des amis, il y a question de protocole, il s'agit de président de la République. Président. Ok, maintenant, on nous retourne. Comment tu sais, ça pour nous garder dans la question, madame Binu. Parce que c'est à partir de renouvellement mandat, tout avenir est capable de décider. Si je n'ai pas été apprêté jusqu'à 2022, si nous allons dans transition. Attendez bien, madame, monsieur. C'est à partir de renouvellement. Mandat binu, ok, tout avenir va le décider. Qui donc va le déterminer? Oui, si la prêté 7 février 2021, s'il va aller 7 février 2021, s'il a prêté 7 février 2022, tout avenir. Mais même vous les connaissez. Alors, généralement, en fonction de qui ça, même, il y a toujours dit, on ne change pas une équipe qui gagne.
si un résultat mais c'est pas tout c'est ça mon tour c'est ça mon tour attendez on ne change pas une équipe qui gagne attendez non pas non ni Jovenel ni Bini une partie du principe général maintenant pour moi bon promotion dans le travail c'est en fonction de ça m'te bon réalisé comme travail c'est sur ça m'a basé pour une bonne promotion donc pour me connaître c'est pour me renouveler mandat Bini m'bra la mission alors non m'te so dit moi t'aller à la oui. résolution eh pour me regarder ensemble de mission que Bini t'a gagné est-ce que le réaliser non Nations Unies ou bien la résolution alors renouvellement mandat Bini il demande depuis alors Nations Unies regarder est-ce que le cas renouveler madame Lalune non il veut pas madame Lalune c'est Bini le bureau intégré des Nations Unies en Haïti c'est lui-même c'est pas madame Lalune non c'est bureau maintenant si à partir des Nations Unies d'elle non moi m'a parlé des Nations Unies qui c'est structure là maintenant en fonction de la mission que y était par Bini, y regardait par A plus B, 1, 2, 3, que l'y réussit ou bien pas réussit ou bien échoué, et m'a dit bon, m'te bon faire ça comme mission, ou t'en ça comme mission pas réaliser li, et bien, pas de possibilité, pas de obligation même. Pour renouveler. Pour renouveler. Donc, est-ce que nous prenons l'autre mission? Ou bien est-ce que nous allons passer maintenant dans la hiérarchie ou bien ce que ça n'a fait mais il pas automatique ou bien on dit nous renouveler non comme bon chita qui fait non réflexion là pas politique réflexion là pas politique et stratégique bien bien il pas politique bon Nations Unies là déjà Josué Nations Unies dans pays déjà bien bien et de tout temps je viens accompagner dans justice y a pas que moi ici mais la société là personnage a changé mais et chaque fois l'a changé personnage il vient avec l'autre mot ouais c'est pour la première fois il dit politique ouais mission politique tout côté Nations Unies toujours là Nations Unies toujours là écoutez tout côté Nations Unies une mission politique sur la terre il va jamais pas facile Nations Unies pas fait réfléchir Nations Unies là dit c'est que notre renouvellement a parlé là les Américains c'est eux-mêmes qui n'a tête bureau intégré des Nations Unies en Haïti et les Américains yo pour Jovenel Moïse rete sous pouvoir. Ça veut dire que États-Unis va jouer tout jouer net que n'a pas l'échec par échec pour que renouvelle mandat Bini. Mais gagne des fois quand gagne plus par excusez-moi gagne des fois qu'on gagne bémol entre politique ambassade américain qui directement gagne responsabilité intérêt américain. Gagne des fois qu'on joue Nations Unies sur l'autre forme. C'est ça que fait sous bien qu'on joue intelligent ou qu'on joue dans mi-temps de mesdames, yo chaque pagé même intérêt, non tout le temps. Là, vous voulez parler de les Américains. L'ambassade américaine avec Nations Unies. Nations Unies, oui, très bien. C'est ça que fait ou même comme pays ou qu'on joue plus bien dans Nations Unies. Dans Nations Unies, oui. Parce que c'est même ça là. Est-ce que nous avons l'aide là ou à pied à l'aise étant comme pays pour jouer dans Nations Unies. Maintenant, c'est vrai que, bon. Gros pays qui n'a pas gagné Nations Unies, c'est eux-mêmes qui commandaient. Ouais, c'est eux-mêmes qui commandaient. Mais de toute façon, étant donné Nations Unies là, c'est personnage ou bien revenir avec un autre titre. Donc, n'a pas compris que puisque Nations Unies là déjà, Nations Unies va me déplacer. Nations Unies là. Maintenant, Nations Unies estime que Madame Lalune, est-ce que li bien exécuté job li? Good. Hein? Good. Est-ce que mission li bien li font bonne exécution? Mm-hmm. Est-ce que dans tout rapport li voyé dans Nations Unies, est-ce qu'il pas de bail menti? Très bien. Il y a ça aussi. Est-ce que ça? Est-ce que gen go équipe ici cap faire politique? Donc mission garété, yo changer Madame Lalune. Yo ka changer. Si pour de l'Afrique. Oui. Ouais. Tout dépend de bataille nèg cap faire politique. Très bien. Ici. Est-ce que vous voyez rapport tout? Est-ce que vous demandez dans ça? Est-ce que vous êtes responsable? Parce que si Esaü, les gens qui font politique ici, si vous n'êtes pas entré dans le système,
yo pa rentre dans Nations Unies, yo pa fait dialogue, yo pa communiquer, yo pa bagaille. Eh ben ça veut dire ça madame là. Tout va bien. Tout va bien. Pour le mieux. OK. Donc ça pour noter, ça pour nous songer. Les ministres sont venus en Haïti, tout le monde passe de là pour un an. Mm-hmm. Et puis chaque année, il y a un nouveau ministre qui fait 15 ans. Oui. Et puis c'est même bientôt. OK. Binu, pas quoi que comme si. Binu, c'est une autre chose. Comme si Binu, son mission politique. Oui, oui. Je suis douté fort que c'est pour un an. Je suis douté fort. OK. Mais ça, il faut que vous clair. Là, il faut que clair. On a continué à regarder. On a continué à analyser. Je salue tout le monde qui est sous chat room là, donc qui a fait réaction. Et Gabriel Mouna qui est pour Josué. Et Gabriel Mouna qui dit le côté de passe à côté jeudi. Hein. En tout cas, je salue toute l'équipe là, toute base là qui pratiquement donc sous et chat room, donc et YouTube là, donc qui a fait commentaire également, qui a suivi discussion. Donc émission matin débat. Ok, n'a pas pause, n'a pas tourné. Les Haïtiens bouquet, n'a pris les embouillés, n'a pris les. Le ministre de l'Éducation nationale, Pierre Josué Agenor, cadet. Très critiqué par les proches du président Jovenel Moïse et par l'équipe de PHTK. À quoi peut-on s'attendre? Mais fond d'accord, monsieur, je vous dis à tout. Il y a une crise qui est trop perdurée dans le système. Dans système ça. Je vais me dédier ça là. Je ne comprends pas. Est-ce que c'est le ministre qui a bâillé menti ou bien? Je ne comprends pas. La crise là est trop perdurée dans le système. Et le président Jovenel Moïse est en fait resté attaché à son ministre donc de l'éducation. Non, quatre nouvelles rentrées scolaires ça là, madame, monsieur. Quelle est l'école que vous avez ouvert là jusqu'à présent? En tout cas, on nous se voit et il y en a dit que l'école. Et maintenant ils sont comment nous y est? Nous saluons Loco. Nous saluons Pierre Matet à toutes. Bien que nous connaissons les gens qui tapent pour le moment sous domaine, nous verrons à ton beaucoup j'aime retourner. Bien, bien. Nous saluons Esaïe César, Josué Lexidor, mettant notre émission PIA. Nous saluons direction générale Radio. Nous saluons toute membre coordination départementale et plan SPA dans tout PIA, la Forme nationale, secteur populaire haïtien. Nous saluons Moun Sud-Est, Moun Marigo, surtout Captain des Moins. Là, parce que vous êtes fidèle auditeur, émission Matin Débat, vous êtes fidèle auditeur, le plaisir, surtout Moun Marigo qui est dans la diaspora. Très bien. Et maintenant, ils sont gampil plein là, et en NPH, c'est Gabon. Plein ça, là, vous l'avez vu le sous-président Matéli. Mais, et pour du pouvoir également, gampil plein. Et y a un ministre en cours, et Pierre Josué Agenor Kadè, comment nous-mêmes Noël? Nous même qui bon côté pouvoir, qui n'a pouvoir, qui n'a PHTK, comment nous elle? Bon, nous quoi qui t'aime nous? Pierre Josué Agenor Kadè, son professeur même y a avec moi dans le système là. C'est un professeur de renom, c'est un professeur de sciences sociales, très compétent, très dynamique. Mais on dirait, depuis la rentrée dans le ministère là, donc, ministre là est déboîté. Oh. Déboîté, oui. Déboîté. Oui, parce que ministre là, je crois que c'est. N'était-ce pas. À part nous, dans le système là, n'était-ce pas des mouns qui connaissent été prêts en pile engagement pour président Jovenel Moïse, qui est arrivé dans ce pays, il y a plus de problèmes dans le secteur éducatif haïtien, parce que depuis le ministre a monté, il n'a jamais géré une crise. Ouais. Et surtout, je crois, ministre là induit président dans pile erreur. Vous pensez ça? Chaque fois qu'il prend une décision que lui paye professeur l'école publique, ça va fait. Ah bon? Programme l'école gratis là que président Matéli t'a initié soit tendé dans la Tibonite dans Gonaïvière.
manifestation faite. Et ceci, c'est des problèmes qui parlent sur tout le pays. Donc, programme Sukoa, programme on série l'école communautaire que le ministère a fait prendre décision pour te nationaliser. Depuis le ministre de là, il n'y a pas jamais penché sur l'école. Oui, mais ça qui passe. Plus quoi? C'est par rapport à des mouns qui entourent le ministère, mouns qui ont dirigé le cabinet, mouns qui n'ont pas inscrit l'action dans la continuité des décisions qui ont été prises depuis sous l'administration Michel Matelier. Ah bon? Oui, mais. Donc, tout ça qui est fait dans le programme l'école gratis là, entourage ministre Agenor qui a déclaré tout. Oui, d'ailleurs, il y a une décision qui te prend dans le niveau gouvernement pour te subventionner l'école privée, pour te permettre à ce que pendant pandémie COVID-19 là, pour te permettre à ce que professeurs d'école privée se joignent à accompagnement. Jusqu'à présent, l'école là ouvert et qu'il y a des écoles privées à, au niveau de l'Haïti profonde, dans l'arrière-pays qui ne sont pas capables de reprendre l'activité scolaire. Si vous êtes venus, les professeurs n'ont pas venu. Parce que quand pile professeur qui quand pile problème, c'est pas de famille, ils sont passés 4 mois là, ils ont passé 5 mois, et ils n'ont pas touché. Ils ont des professeurs pour décider de reprendre pardon, la guerre. Okay. Alors que le ministre des Finances, qui a des informations qui disponible, et des informations qui étaient communiquées que le gouvernement mobilisait 1 milliard de gouttes pour subventionner l'école privée qui était en confinement suite à une décision gouvernementale pour empêcher la propagation pandémie COVID-19 là. Donc, je dis à la, si le gouvernement a un problème, si le régime en place a un problème, ça va dire Pierre Josier à Zénocadet. Ah bon, à ce point? Ah oui, parce que ça, depuis l'école va fonctionner dans le pays, toute leur activité paralysée. Oui, mais ou même comme professeur de l'école également, et ou même tout qui s'est. Et qui gagne l'école tout en fait quand des problèmes dans situé son problème de compétences ou bien que ça lié parce que problème professeur perdu en ville je crois que c'est un problème de vision. OK, c'est un problème de volonté politique ou qu'a choisi bail merci oui ou a bail une fois ou qu'a bail deux fois. Mais où pas qu'à mettre tout ça? Oui, mais nous-mêmes au niveau du pouvoir de PHK, donc qui ça nous fait dans ce sens-là? Est-ce que même quand le président, et parce que le président lui-même, en fait, il ne doit pas au courant de tout bas, il ne doit pas les matins là. Bon, l'éclair, le président, c'est un appel à la prière. Président, c'est dans un vrai peuple à lui sortir. Je suis certain que le président n'attendait cri. Maman l'école, alors, maman petite, avec papa petite, yo, qui c'est également des professeurs d'école. Je suis certain que le président attendait cri. Moun qui n'a secteur syndical,
qui c'est des professeurs et pas tenté légitimer. Je ne parle pas de José Mérillien qui a soulevé Timonio pour s'écraser brisé. Je dis, je ne suis pas d'accord pour Timonio qui s'est abri pays pour initier dans sa violence pour s'écraser brisé. Bien, bien. Mette Risson. Alors, et min... oui. Ah oui, allez-y, oui, très bien. Donc, en fait, nous-mêmes, dans la position par nous, est-ce que nous t'a demandé, donc, renvoi, donc, formel, et ministre et Agenor, en fait, politiquement, vu que, en fait, nous, c'est proche du pouvoir, c'est allé du pouvoir. Moi-même, ça m'a dit, et ceci m'a parlé dans notre place pas, plateforme nationale, secteur populaire, haïtien. Je dirais, problème, gouvernement, c'est Pierre-José Agenor Kader parce que nous, faut qu'on évite le pire. Faut qu'on évite le pire. Faut que l'école fonctionne en le pays. Et faut que les professeurs reprennent l'activité. Et professeurs qui ont étudié l'école normale, qui ont fait stage, que t'es gagné des nominations que vous faites pour yo, faut qu'il prenne un caillou en considération. D'ailleurs, là où jeune allant l'école, normal, lui aller avec une vocation pour une professeur pour le service pays. Donc, moun sa yo, yo compétent. Yo compétent, yo c'est des études certifiées pour ça. Pour faire ça, c'est important pour président Jovenel Moïse, t'a décrit principal acteur dans le système là, professeur yo. C'est professeur, professeur yo, vous comprenez pas que l'école. Bien. Et professeur yo insatisfait de gestion Pierre Josué Agenor Kader. Merci en pile, maître Dieu donné l'élection. Merci en pile. Merci en pile. Voilà. Monsieur Pierre Agenor Kader, s'il est capable de réagir, il est capable de réagir donc à n'importe quel moment. Dans le cadre de l'émission Matin Débat, donc nous pourrons parler, je dis à ces jours, c'est Vite Blaguer, donc l'émission Matin Débat, nous pourrons parler avec quelques étudiants, donc Gounaïve, okay. Et ma présentation. Nous saluons Emmanuel Jeune,